Salut les amis, c'est Sainz, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Age of Empires 2 Definitive Edition. Je vous propose qu'on se fasse une petite partie en jeu standard, en solo et contre l'ordinateur. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche pour les notifications, ça c'est pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et puis le petit pouce bleu, le petit like, ce serait super sympa, c'est vachement important pour le référencement des vidéos et de la chaîne. Alors si on pouvait faire péter le record de like aujourd'hui sur cette vidéo, ça serait super et pour ça je vous fais confiance. Allez, on se retrouve juste après ça. Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vous propose qu'on se fasse une partie de Age of Empires 2 Definitive Edition. On va jouer en partie standard, en solo contre l'ordinateur. Assez costaud, on va mettre 8 adversaires, tous dirigés par l'IA. Je vais laisser l'ordinateur gérer aléatoirement les civilisations qu'il va me mettre en face. On va jouer sur une carte aléatoire géante, population 200. On va jouer sur une victoire à la conquête. Et on est parti. Allez voilà, on est donc arrivé dans la partie. On va faire scouter un peu notre cavalier autour du camp pour essayer de découvrir de la nourriture. Et puis on l'enverra ensuite faire le reste de la carte. Voilà, pendant ce temps-là, on va ramener la nourriture ici. Là, on va commencer par faire une maison. Les deux là, ici, nourriture. Voilà, de la nourriture. Là, ici, quand ce sera fini. Hop. Voilà, j'ai fait une boulette. On va l'amener ici d'abord. Et voilà, c'est fait. Donc en gros, mais je pense que vous le savez, vous devez souvent jouer à Age of Empires. Dans ce premier âge, la chambre, il faut atteindre les 21 villageois. Une fois qu'on a 21 villageois, on peut, et 500 de ressources en nourriture, on peut passer à l'âge suivant, l'âge féodal. Dans les 21, il en faut 7 à 8 sur la nourriture, et le reste, vous les mettez en bûcheron. Et puis ensuite, vous attendez que ça monte. Et quand c'est monté, boum, on passe à l'âge suivant. Donc là, on est à 5 déjà. Voilà, 6. Là, ça sera le 7ème. Et après, ils iront tous faire du bois. Alors ici, on nous a trouvé de nouvelles bêtes. Là ici on a une relique, on ira la chercher tout à l'heure quand on aura une église et un prêtre. Voilà, là on est à 9 villageois, donc on est à 8 ici, c'est très bien. On est à 7 ici et 1 là, puisque le cavalier compte pour un villageois. Donc maintenant, on va en faire 2 et on les enverra bûcheronner. Alors on va voir, on a l'air d'être protégé ici à l'est par un bois assez dense. Ok, là il faut une habitation. Et ben allez hop, tu vas me faire une habitation et quand tu auras fini. Si parmi vous il y en a qui débutent sur Age of Empires 2 ou qui découvrent ou qui ont un peu de mal à jouer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai un tuto sur comment débuter sur Age of Empires 2, comment débuter une partie solo ou même en ligne. Les techniques, les conseils, les raccourcis clavier qu'il faut savoir utiliser pour pouvoir faire une partie en solo ou donc en ligne et avancer le plus vite possible, se développer le plus vite possible pour pouvoir gagner le plus facilement et être le plus efficace. N'hésitez pas, hein, je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Si vous voulez une vidéo tuto, il suffit de le demander. Vous le mettez en commentaire et je vous ferai ça sans problème. Voilà, là on est à 11 plus les 4 qui vont venir, ça fera 15. Vous voyez qu'on avance tout doucement vers les 21. Voilà. Là maintenant j'ai demandé à mon cavalier de scouter automatiquement. Je voudrais bien commencer à voir où sont les camps adverses.
Il va falloir trouver de la nourriture. On a deux bébêtes là, je pense qu'on enverra un chassé. Hop, on va faire ça. Donc ici, un camp d'or, un camp d'or, un camp d'or, un camp d'argent de pierre. Un camp de pierre, donc on est quand même assez bien achalandé au niveau des ressources. C'est assez intéressant aussi. Alors là, ici, on va l'envoyer chasser. Ça m'a l'air d'être un rhinocéros. Il va falloir qu'il revienne vite. Voilà, allez, hop, cours, cours Forest. Pendant ce temps, là, toi, hop, hop. Et là, allez, c'est parti, on chasse. Ah mince, j'en ai perdu un. Alors c'est pas grave, le prochain il ira là. Ensuite, je renverrai tout le monde faire du bois. Voilà. Les suivants, ce sera là-bas. Donc là, on est à 15. Il y en a 4 qui arrivent, ça fera 19. Il en manquera 2. Donc là, effectivement, hein, j'ai toute une forêt à l'est qui me protège au moins sur ce flanc-là. Je vois qu'ici, on a un camp ennemi. Amir Abouba, apparemment, les oranges. Je suis à la traîne, je suis à la traîne parce que ben, le temps que je discute, c'est vrai que j'optimise pas mon rendement. C'est pas grave. Et ce sera fini, j'enverrai là aussi. Allez, on a 17. Voilà, les deux qui manquent pour pouvoir faire les 21. Lui, hop, il va faire une maison avant de partir bûcheronner. Voilà, allez, hop, c'est parti. On va les chasser. Hop, on rentre. Voilà, là, j'ai eu de la chance, j'ai pas perdu. Donc voilà, on va avoir les 21. Ah, il a trouvé de la nourriture. Bon, par contre, il va falloir traverser le camp adverse, donc ça c'est perdu. C'est clair. On va essayer quand même. Donc là on est à 21, on va attendre d'ici d'avoir les 500, on passera à l'âge supérieur. En attendant, on va construire une caserne. Et quand il aura fini, il viendra me faire une mine d'or. Voilà. Donc là ici, on rebelote, il m'en avait encore trouvé deux. Mais de toute façon, on va les perdre. Bon, il y a pas mal de reliques autour de mon camp quand même. Par contre, j'ai aussi des ennemis qui sont tout près. Là, ici, hop, un moulin. Et on est parti. Là, on lance l'âge féodal. Tu vas venir bûcheronner ici pour faire de la place. Mettre ensuite mes fermes ici. Là, on va venir faire un peu d'or. Alors,
Il est en train de scouter là-bas au fond. On sera bientôt à l'âge féodal, 77%. Donc je le répète, hein, surtout si vous voulez des vidéos tuto Age of Empires, je peux vous faire une vidéo hein, pour vous expliquer comment bien débuter sur le jeu, les techniques à adopter, les réflexes à avoir quand vous débutez une partie, soit en ligne ou soit en solo contre l'ordi. Voilà, on va faire du bûcheron. On viendra bûcheronner ici. Commencer à attaquer la forêt qui est là. Je pense qu'elle est suffisamment dense pour qu'on puisse l'attaquer tout en étant protégé. Même si on veut améliorer le bûcheronnage. Donc ici on voit qu'on a des camps. On a plusieurs camps là ici. Là on a les oranges, là on a les verts, là on a les jaunes, là les bleus turquoise. Alors tous ces camps là à mon avis ils vont vite se battre entre eux, ce qui peut être un avantage pour nous dans la partie, d'autant qu'on est les premiers à l'âge féodal. Il faut qu'on continue. Donc là maintenant sur le second âge en général il faut aller jusqu'au 40. Quand vous êtes arrivé à 40 villageois, vous savez. Et vous pouvez attendre d'avoir les ressources nécessaires pour passer à l'âge suivant. Alors toi tu fais rien, bah tu vas faire ça, voilà. Hop, on va continuer. Alors là on voit que ça commence aussi à scouter par chez moi, ce qui est normal, parce que je scoute aussi chez eux. Ici on a fait l'amélioration. Voilà, ça y est, là, tout le monde est passé à l'âge féodal. Je vais créer les miliciens. Non, je vais attendre un peu. On va convertir en homme d'armes. Ce sera un peu plus intéressant parce que je voudrais commencer à essayer d'attaquer. Alors le camp des oranges, il a bien évolué, il est devant moi. C'est peut-être pas lui qu'il faut attaquer. D'ailleurs, ils sont plusieurs à passer devant moi. Allez, hop, ici, là. Là, ici, on va faire miner un peu de pierre. Ah oui, ah d'accord, on n'a pas fini cette maison en fait, c'est de ma faute. Voilà. Là, ici. Pastisor, prêt. Pastisor, ok. Pastisor, prêt. On va faire des fermes. Voilà. On va mettre quelques fermes d'avance au cas où j'oublierai de m'en occuper. De la bouffe quelque part. Bon, lui, il va bûcheronner beaucoup trop loin. Il met trop de temps. On va l'envoyer là-bas. Il va faire de l'or. Faire le ravitaillement. Toi tu vas bien faire de l'or aussi. Et je vais commencer à construire un mur d'enceinte pour commencer à protéger mon camp. On est à 35. Tu vas me faire quelques maisons. Prêt.
Alors là, ils sont tous en train de s'éparpiller là où il n'y a pas de camp. On va mettre du temps à tout récupérer. On va les renvoyer. Soldats. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo consacrée à Age of Empires 2 Definitive Edition. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas tomber. Je vais revenir très vite avec une nouvelle vidéo dans laquelle on continuera cette partie. D'ailleurs, je pense qu'il y aura plusieurs vidéos pour cette partie parce qu'elle va être quand même relativement longue. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, un like, ce serait vraiment super sympa. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne si c'est pas encore fait. La petite cloche des notifications. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour la suite de cette partie d'Age of Empires 2. Salut !